D'abord, moi, je suis ici pour... une site de repos. Mais aussi, pour moi, c'est une site de lecture. Et j'écris un peu, je fais un peu les travaux que je peux faire ici, comme maintenant je fais une triage de musique du Cameroun qui va sortir cette année sur un double CD financé par l'État allemand. Bon, à part ça, moi je descends toujours en voiture que je vends en Afrique parce que je n'aime pas remonter en voiture. La vente, ça ne rapporte plus d'argent. Tous les pays sont devenus tellement pauvres qu'il n'y a pas de surplus pour les vendeurs de voitures cassées. Et là, j'amène aussi, chaque voyage, j'amène du matériel qui était commandé par les Chinguetiens, comme on me commande souvent des machines à coudre, des pompes à l'eau, frigo, machines à laver, mais ça, pour ça, je peux amener que quand je viens en camionnette. Et j'amène aussi des petits ordinateurs portables. Et si je suis copain avec le musicien du village, donc j'amène toujours un peu microphone, amplificateur, haut-parleur et tout ça, matériel. À celui-là. Que je répare aussi quand je casse quelque chose. J'ai acheté ce maison ici pour des raisons pas raisonnables. C'était un genre d'idée fou. Le propriétaire m'avait offert ce maison-là qui était on s'appelait jusqu'à ce niveau, mais pas comme ça, mais c'était en pente, ça descendait jusque vers le bas. Il m'avait dit, on était là sur la terrasse, le toit était cassé, il dit, écoute, 4000 euros, tu peux avoir tout ça. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Ça ne m'intéresse pas. Mais sur le chemin de retour vers Nouakchott, à travers les très belles couleurs qui sont là, tous entre noir pour les pierres, brun, jaune, puis toutes les couleurs de sable entre planche et jaune et orange, toutes ces couleurs, je dis hop, c'est pas mal ce paysage-là. Alors, de retour en Allemagne, j'ai écrit à des copains qui veut jeter 1000 euros dans le sable. Il y avait 5, voilà. Chacun a payé 1000 et on a acheté. Je suis maintenant le seul propriétaire de terres non musulmans dans la vieille ville de Chinguetti. C'était le sommet du tourisme, c'est-à-dire... Ici, devant la mosquée, il y avait une vingtaine de tentes avec des femmes qui vendaient des bijoux, des bric-brac, des choses.
Et aussi, il y avait toujours des touristes qui passaient avec un fil de vendeuse derrière pour regarder les vieilles maisons de Tshengeti. Ici, en vieille ville, en bas, là, il y avait des boutiques. Dans la nouvelle ville, il y avait des boutiques que pour les touristes. Alors, à l'époque, il y avait 7500 habitants ici. Bon, ça a changé rapidement à partir de 2008. Parce que 2007, il y avait l'attentat d'Alec où 4 Français étaient tués par 3 Mauritaniens et une Kalachnikov. Le président Sarkozy, il a décidé qu'il faut frapper fort là, la Mauritanie. Alors il a déclaré la Mauritanie et toute la Mauritanie, c'est zone rouge pour le tourisme. C'est-à-dire il n'y a plus de tourisme organisé parce que il n'y a pas d'assurance. Et donc quelqu'un qui veut faire le tourisme organisé, il doit assurer, sinon il risque son existence. À partir de 2009, il y avait zéro. Il n'y avait que quelques touristes individuels qui avaient le courage de venir ici, dans la zone rouge. Dans les années qui suivaient, ça fait maintenant 8 ans, il y avait un déclin ici de la ville sur le nombre de gens qui habitent, sur l'argent qui existe, sur les tous genres d'activités. C'est-à-dire, cette ville a changé d'une ville africaine pauvre à une ville où il y a la faim maintenant. Et la faim, ça existe. Les gens ont perdu des kilos. C'est visible. Et tout ça, c'est fait par une décision d'un président con qui pense pas aux conséquences de sa décision. Surtout, il pense pas aux conséquences pour les autres. Il pense bien sûr sur les conséquences pour lui-même. Il apparaît comme le sauveur des Français et tout ça. Mais pour les Mauritaniens, c'est une histoire triste. Il y a maintenant des programmes d'aide alimentaire ici qui viennent chaque semaine par l'État mauritanien. Ça ne fait pas une population bien nourrie. On est dans une situation super ridicule que, ici, je suis en zone rouge. Quand j'achète mon pain, je suis en zone orange. Avec mon pain, je retourne au zone rouge, etc. Il n'y a aucune raison pour une décision comme ça. Mais un État européen peut prendre cette décision. Il n'y a personne qui hurle ou qui fait quelque chose. C'est normal. On a décidé ça. Pour cette raison, la ligne est là. À 50 mètres de là, c'est son orange. Probablement, il n'a pas pensé au tourisme du tout. À mon avis, il a pensé à des demandes de sécurité de quelques compagnies pétrolières qui étaient en train de
rechercher le pétrole ici au nord-est de Tshenguetti, dans la Drar, et qui réclamait plus de sécurité parce que les lieux de forage sont plus proches au Mali qu'au premier poste militaire mauritanien. En déclarant la Mauritanie zone rouge, ils pouvaient demander au président mauritanien de permettre le stationnement des troupes françaises à Attar. Ce qui a été fait, et ils sont encore là. On a arrêté les forages parce qu'on n'a rien trouvé. On m'a dit qu'ils vont recommencer encore plus au nord, entre Mali, Mauritanie et Algérie. Je pense aussi, mais c'est opinion très personnelle, qu'il était fâché contre les organisateurs de Paris-Dakar. Alors, si c'est son rouge, pas de Paris-Dakar. Ici, en Mauritanie, le touriste, à mon avis, est beaucoup plus sûr que dans n'importe quelle ville d'Europe. Il y a bien sûr la petite criminalité, le vol à main et tout ça à Nouakchott, comme dans toutes les villes. Vous pouvez être volé plus facilement à Barcelone ou Francfort ou Paris qu'à Nouakchott, mais ça arrive. Mais à part ça, ici, je dors à porte ouverte. Sur le toit, quand il fait chaud et pas quand il n'y a pas de sable. Et je me balade comme je veux et je me sens en sécurité totale.